Et salut tout le monde, c'est Benoît. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo annonce concernant ma série donc sur The Versus, comme vous avez pu le remarquer dans le titre de la vidéo. Voilà, donc j'ai deux choses importantes à vous dire concernant cette série. La série, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est The Versus, ma série Minecraft qui a débuté depuis un petit moment avec quelques petits épisodes. On arrive jusqu'à l'épisode 3 pour le moment, voilà. Et donc en fait voilà, j'ai deux choses très importantes à vous dire. Premièrement, prenez-le comme vous voulez, ne vous inquiétez pas, c'est pas extrêmement grave de toute façon. Voilà, comme vous aurez peut-être pu le voir, Deathlake quitte The Versus. Alors, pourquoi est-ce que Deathlake quitte cette série? Donc, Deathlake, c'est celui qui est barré, hein, pour info. Pourquoi est-ce qu'il quitte? Alors, pour deux raisons en fait. Premièrement, car il a un peu perdu l'envie, il se sent découragé, car déjà il est beaucoup moins fort, il a beaucoup moins d'expérience que nous sur Minecraft, donc que moi, Dexios et Roxas, il a beaucoup moins d'expérience, voilà, et donc du coup il est un peu découragé et tout ça, mais ça c'est pas le plus gros problème, on pourrait dire ok, il pourrait jouer pour le fun, il pas pour gagner, tout ça, d'accord, ça c'est juste une chose. Deuxièmement, c'est aussi parce qu'il a beaucoup de problèmes personnels pour le moment, ce qui fait qu'il a perdu de l'humeur de faire des vidéos pour le moment, perdu l'humeur de jouer, donc non seulement il se sent découragé pour la série, mais si en plus il n'a pas le moral pour la faire, je comprends qu'il attende, enfin qu'il ne fasse pas de vidéo, donc qu'il ne fasse pas la série. Et bon, vous allez me dire, ok, bah alors qu'on attend que ça passe et qu'il revienne plus tard, d'accord, mais le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça pourrait durer, et puis je pense pas qu'il retrouvera vraiment le plaisir de faire la série après tout ce temps. Donc je pense que ce qu'on va faire, Dexios, Roxas et moi, c'est qu'on va tout simplement continuer la série à 3. Bon. C'est un peu dommage, c'est vrai, mais c'est pas extrêmement grave vu que de toute façon, j'ai envie de dire, Deathlake était un peu le moins fort, donc le moins dangereux. J'ai envie de dire, il y aura toujours autant de challenges pour moi avec Dexios et Roxas dans les pattes, c'est sûr. Voilà, donc ça c'était une première info très importante. Donc pour tout le reste de la série, jusqu'à la fin, donc des 30 épisodes, Deathlake ne sera plus là. Voilà, donc il a participé aux trois premiers épisodes, il compte quand même les publier sur sa chaîne, il compte aussi faire une petite annonce pour expliquer qu'il quitte la série. Voilà, donc il a ses raisons à lui, voilà, il vous en parlera sur sa chaîne s'il a envie, voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà. Ça c'était la première annonce, donc j'en suis désolé, hein, mais j'espère pour que la série vous fera toujours autant plaisir quand même pour autant. Hein. Dites-vous bien que Dexios et Roxas sont quand même ceux qui mettent le plus de pression. Donc évidemment, Deathlake était le petit rigolo de The Versus, mais bon, c'est pas très grave, il y a quand même moyen d'avoir de bons délires quand même à 3, hein, je pense. Donc c'était une première chose. Voilà, donc c'était la première annonce. Alors la deuxième annonce est assez importante aussi, mais elle l'est un tout petit peu moins. Il va y avoir un mini changement de règles dans The Versus. Alors je vais m'expliquer tout de suite. C'est concernant en fait les objectifs suprêmes. Car dans les objectifs suprêmes, vous savez bien, il y a l'œuf de l'Under Dragon qui vaut 50 points et la balise qui vaut 100 points. Alors j'ai réfléchi, j'ai refait mes calculs concernant les objectifs et j'ai réalisé que si quelqu'un arrive à faire l'un de ces deux objectifs, il est quasiment invincible. Il a quasiment gagné la série. Du coup, je me suis dit, ça serait pas chouette si jamais quelqu'un réussit, on se dit ok c'est bon, les autres n'ont plus aucune chance. Du coup, j'ai réfléchi comme j'ai déjà dit, et on va changer en fait les points qu'il rapporte, tout simplement. Pour les autres objectifs suprêmes comme les blocs et le jump, je laisse la même récompense parce que pour moi tout le monde peut la faire. Donc ok que tu gagnes beaucoup de points, t'as un bel avantage, mais les autres peuvent l'avoir aussi s'ils le réussissent. Donc pour ça, j'ai envie de dire on est sur le même pied d'égalité. Mais pour le Thunder Dragon et la balise, je vais diminuer les points pour que ceux qui réussissent. Enfin, pour que ceux qui n'arrivent pas à réussir ces objectifs-là avant les autres, qu'ils aient quand même une petite chance de les rattraper. Et donc, quels sont les points que je vais leur attribuer maintenant? J'ai réfléchi, et donc l'œuf de l'Under Dragon ne sera non plus à 50 points, mais passera à 30 points. Et la balise ne sera plus à 100 points, mais à 50 points. Maintenant, je pense que les points sont beaucoup plus raisonnables et que, à présent, les autres joueurs auront une chance de gagner si quelqu'un réussit ces objectifs-là, vu que moi je suis bien parti pour avoir l'œuf de l'Under Dragon. Hein. J'espère que je l'aurai. Enfin bref, ça on verra tout ça dans le quatrième épisode, donc il arrivera prochainement. On l'a pas encore tourné, mais on compte le tourner demain pour moi. Voilà, donc ça arrivera assez rapidement, vous inquiétez pas. D'ici là, il y aura peut-être une ou deux autres vidéos, on verra bien. Voilà, tout simplement. Aussi, je tiens à vous souhaiter, si je n'ai pas le temps d'ici là, de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. J'espère que pour vous tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très bien en tout cas. Et on compte bien continuer les vidéos, hein, toujours notre belle série. Et donc, maintenant, je pense que j'ai tout dit. Donc, ouais, je réfléchis vite fait. Ah oui, un petit truc concernant Deathlake encore, qui change un peu les règles. Enfin, c'est pas vraiment les règles, mais
Du coup, vous allez me dire, on peut trouver sa base et tout. Alors, si on trouve du stuff à lui, on peut se faire plaisir, on peut se servir. Il n'y a pas de problème concernant cela. Donc voilà. Il n'y a pas de petit moins par rapport à ça. C'est même un petit plus pour nous. Voilà. Mais il faut le trouver pour ça. Bref. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette annonce. Parce qu'elle était quand même assez importante si vous suivez la série The Versus. Pour ne pas que vous soyez trop perturbé en regardant l'épisode 4. Donc voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à continuer la série. Parce que j'ai vu que c'était une série qui vous plaisait plutôt bien. Continuez de parier sur moi, s'il vous plaît. Car la plupart d'entre vous parient sur Dexios. Vous êtes méchants. Bref. Allez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, on se retrouve donc prochainement pour une véritable vidéo. Allez. Ciao tout le monde!